Bienvenue à chacune et chacun dans ce temps de culte vidéo. Puissions-nous dans ce moment nous sentir en communion les uns avec les autres, dans l'amour de Dieu, source de vie, la joie du Christ, chemin d'amour, et la générosité de l'Esprit, souffle de lien. Et je vous invite à commencer ce culte avec le chant d'un cantique. C'est toi Seigneur qui nous unit. Parfois, on trouve des prières inscrites sur les murs des églises. C'est le cas de celle-ci, inscrite sur le mur de l'église de Montcherran, dans le canton de Vaud, en Suisse donc. Quand je viens te prier à l'écart, dans cette solitude où je te regarde et où je m'interroge, je me laisse d'abord aller devant toi. Je commence par me perdre en toi, par laisser tomber les angoisses des tensions du jour ou de la veille. Je me repose, tu me reposes. Il n'y a pas d'autre raison profonde quand je viens vers toi. Tu me plais, tu me reposes. Tu me plais parce que tu es bon, je te l'ai dit 100 fois, parce que tu connais les chemins du bonheur et que tu es vrai. Par là même, toi qui es simple, tu me reposes des nœuds et des chemins tordus que les hommes construisent si souvent.
chers amis, que ce soit notre assurance ce matin, que Dieu nous repose, que Dieu nous accompagne dans nos lieux de solitude. De l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, les versets 13 à 30. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui, sur le point de partir en voyage, appela ses esclaves et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au 3e, à chacun selon ses capacités. Et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses esclaves arrive et leur fait rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents vint apporter 5 autres talents et dit « Maître, tu m'avais confié 5 talents, en voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un bon esclave. » Digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire, je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents vint aussi et dit « Maître, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien. » Tu es un bon esclave, digne de confiance. Tu as été digne de confiance pour une petite affaire, je te confierai de grandes responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent vint ensuite et dit « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Esclave mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé ? Et que je récolte où je n'ai pas répandu ? Alors, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon arrivée, j'aurais récupéré ce qui est à moi avec un intérêt. Enlevez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Et l'esclave inutile, chassez-le dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. «
Si nous avons à la maison une Bible avec des sous-titres entre les différents passages, la parabole des talents commence au verset 14. Il en va comme d'un homme partant en voyage. La semaine dernière, si vous vous en souvenez, le texte proposé était celui des 10 jeunes filles, 5 prévoyantes, 5 imprévoyantes. Dans ce texte, qui précède tout juste notre passage de ce jour, les 5 follettes dont les lampes avaient manqué d'huile étaient parties en acheter en respectant les consignes de sécurité. Et pendant ce temps, le marié arrivait pour la noce, entraînant avec lui les 5 jeunes filles avisées qui tenaient leurs lampes allumées pour l'accueillir. Et ce passage se terminait par le verset 13 « Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Il est dommage de commencer la parabole des talents sans reprendre ce verset qui fait une charnière entre les deux paraboles. Veillez, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Et quand on prononce ces paroles, beaucoup l'entendent comme un glas sinistre en l'associant à l'heure du rendez-vous avec la grande faucheuse. Mais, sans vouloir redire toute la prédication de ma chère collègue Judith, il est plutôt question de connaître le jour et l'heure de la noce. Dans le texte de ce jour, un homme part longtemps en voyage. Il a une manière bien à lui de préparer son absence, il a 3 esclaves dont il connaît les capacités de gestion, esclaves auxquels il confie ses talents. Le talent évoqué ici n'est pas un talent artistique, mais bien une unité monétaire d'une certaine importance. Nous dirions aujourd'hui que cet homme confie une belle grosse liasse de beaux gros billets à ses esclaves. Ce qui est rigolo, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de penser spontanément que le maître aurait été avisé de ne confier tous ses biens qu'au premier esclave, en ne confiant aux 2 autres que la tenue de la maison, le nettoyage, la cuisine, le jardinage et le repassage. Il est curieux de constater qu'inconsciemment, nous pensons que le premier esclave a reçu plus et qu'il a une plus grande capacité de gestion. Mais si nous calculons bien, en fait, les 2 premiers esclaves ont obtenu exactement le même rendement. Celui qui avait reçu 5 talents a pu en rendre 5 de plus, celui qui en avait reçu 2 a pu en rendre 2 de plus. Chacun des 2 premiers esclaves a eu exactement le même rendement, il a doublé ce qu'il avait en gestion. Mais la parabole nous le dit clairement, ce qui pose problème, c'est la gestion du 3e esclave. Celui-là, il n'a absolument pas fait fructifier le talent qui lui a été confié. Alors de nos jours, on ne peut s'empêcher de penser, heureusement, il n'a quand même pas tout dépensé. Mais bon, à cette époque, ce n'était pas une option envisageable pour un esclave. Donc il a reçu son talent et il a eu peur. Il l'a enterré au fond du jardin pour n'avoir plus à y penser, pour se sentir débarrassé de cette encombrante responsabilité. Le maître part longtemps. Dès qu'il revient, il demande des comptes à ses 3 esclaves. La fin de l'histoire est terrible. On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. L'esclave inutile, chassez-le dans les ténèbres du dehors, là où sont les pleurs et les grincements de dents. Dehors, là où l'esclave inutile avait enterré son talent en le rendant inutile. Allez donc faire de l'évangélisation avec une conclusion pareille. Pourtant, nous dit le texte, l'homme connaissait les capacités de chacun et il a voulu responsabiliser chacun. Et ça, c'est un bon début pour une campagne d'évangélisation. Mais quelque chose est venu s'immiscer dans ce beau projet. Et ce quelque chose, c'est la peur. La peur qui paralyse, la peur stérile, la peur qui empêche d'envisager l'avenir. Dans la fin de ce texte, comme dans la fin de la parabole avec les 10 jeunes filles, on sent une urgence. Ça en est fini des paraboles bisounours. Le message de l'évangile doit être fort et clair. Il y a urgence car
dans quelques heures, Jésus sera arrêté. Il ne pourra plus enseigner. Il ne pourra plus partager avec ses disciples ce lien intime qui le relie à Dieu, cette foi qu'il habite et pour laquelle il est prêt à donner sa vie. Malgré toutes les mises en garde, il y a là une urgence dont les disciples ne savent pas prendre la mesure. Pour aller plus loin, je nous invite à ne pas nous focaliser sur le fait que les talents dont parle le texte représentent une somme d'argent, mais à saisir plus largement le message. Quelque chose de grande valeur nous est remis afin que nous en fassions bon usage, afin que nous en ayons une bonne gestion, afin que nous puissions exercer nos capacités à faire fructifier ce qui nous est confié. Le texte biblique, qui est pour nous parole de Dieu, rejoint les hommes au cœur de leur histoire. Lorsque je parle de ce qui nous est confié et de la nécessité d'une bonne gestion, beaucoup pensent non pas à la gestion de la pandémie du Covid-19. Il faut parler un peu d'autre chose. Jésus nous offre ici une parabole, une parole d'invitation à gérer sans peur les nombreux biens qui dépendent de nous. Nous sommes responsables de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. Et par exemple, l'un de nos nombreux biens, c'est la paix à faire régner en nous et autour de nous. Cette paix qui est un trésor qu'il ne faut pas aller enterrer au fond du jardin. Nous sommes aussi appelés à être des ouvriers de justice et nous avons chacun et chacune une capacité à œuvrer, par exemple, pour la justice climatique dans de nombreux gestes de notre quotidien. Nous connaissons les profonds changements qui influencent en ce moment toutes les parties du monde. Ce sont des changements qui impactent la survie de nombreux êtres vivants. Il y a les montées des eaux avec les disparitions de terres habitables, il y a les chaleurs excessives, des vents violents, la fonte des régions glaciaires, des bouleversements en cours pour les cultures et la forêt. N'oublions surtout pas la prise de conscience et la certitude de l'urgence qui a fait descendre dans les rues les jeunes du monde entier à de nombreuses reprises avant la pandémie. N'oublions pas que des familles entières ont pris la décision de limiter leur empreinte écologique. N'oublions pas que des entreprises et des communes ont investi pour une meilleure gestion des énergies et des déchets. N'oublions pas que de nombreuses églises et de nombreuses communautés de croyants ont multiplié les actions concrètes afin d'être des acteurs constructifs du monde qui vient. N'oublions pas tous ceux qui surmontent leurs craintes, tous ceux qui acceptent leur part de responsabilité, tous ceux qui enterrent leurs peurs pour se présenter devant le maître de maison avec un bilan positif, un bilan où l'on a pu faire fructifier la terre qui nous est confiée. Si l'on pense à notre gestion des changements climatiques en cours, la fin de la parabole est assez parlante. On donnera à celui qui a prévu, qui s'est adapté, qui a accepté le changement, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas accepté ses responsabilités écologiques, qui par peur a préféré enterrer son avenir, eh bien on enlèvera même ce qu'il a. Et puis il faut bien en convenir, parfois ce sont des préoccupations bien loin du changement climatique, bien loin de la pandémie mondiale qui mobilise toutes nos capacités. Ce que nous avons de plus précieux alors, ça peut être la santé, la nôtre et celle de nos proches. Ce que nous avons de plus précieux, ça peut être l'amour au sein du couple, au sein de la famille, un amour fragile qui s'étiole parfois et s'épuise devant les défis du quotidien. Ce que nous avons de plus précieux, nos biens, c'est l'école, les projets professionnels. Notre bien le plus précieux peut devenir un grand sujet de préoccupation. Alors,
comme le troisième esclave de la parabole, nous pourrions être tentés de creuser un trou profond, d'y déposer notre souci, de reboucher le trou, tassant un peu la terre pour avoir un résultat aussi discret que possible et donner l'impression de n'avoir rien à faire avec cette responsabilité-là. Pour nous aider à enterrer nos peurs plutôt que nos talents, nous pourrions résumer la parabole avec quelques verbes. Le verbe « confier ». L'homme qui part en voyage confie ses biens. Qu'est-ce qui nous est confié? Si déjà, nous pouvons nous limiter dans un premier temps à ce qui nous est confié, afin de le gérer sans peur et selon nos capacités, ce serait déjà pas mal. Et n'oublions pas que dans notre parabole, il y a aussi l'éventualité de placer le dernier talent à la banque. Ça signifie que, on en a peu parlé, mais la parabole nous y invite, nous pouvons aussi nous faire aider pour gérer ce qui nous est confié. Se laisser aider, c'est aussi avoir une bonne gestion, une bonne prise de responsabilité. Confier et recevoir. Les esclaves reçoivent chacun une grosse responsabilité, chacun selon leur capacité. Qu'est-ce qui est sous notre responsabilité? Ce texte, comme d'autres dans la Bible, ce texte affirme que nous recevons chacun selon nos capacités. Confier, recevoir et rendre. Les esclaves ont dû rendre ce qui leur a été confié. C'est un fameux enseignement. Même ce pourquoi nous devons dépenser des trésors d'énergie, des trésors d'ingéniosité, nos forces sans compter. Tout cela, tout ce qui nous est confié, dont nous acceptons la responsabilité, eh bien, ça ne nous appartient pas. Il faut savoir le rendre. Ce sur quoi nous pouvons et devons lâcher prise pour le rendre, eh bien, soyons-en sûrs, cela se calculera quand même avec des bénéfices, avec un rendement dédoublé. Dédoublé par l'amour, par le temps, l'énergie, la patience, la passion, la foi, la confiance, l'audace, la pugnacité, et dédoublée par toutes les capacités que nous y aurons consacrées. Confier, recevoir et rendre. Frères et sœurs, pouvons-nous relire cette parabole des talents sans a priori et sans crainte? Pouvons-nous la relire dans la perspective de la noce annoncée précédemment? Pouvons-nous la relire comme une invitation plutôt que comme une menace? Pouvons-nous en proposer l'essence à tous ceux qui, dans notre entourage, se trouvent paralysés par la peur, afin de les soutenir dans leur exercice de leurs responsabilités? C'est tout ce que je nous souhaite, et alors nous serons dans l'abondance. Amen. Thank you.
Je vous invite à vous unir dans la prière. Dieu de toute la création, ton amour infini entoure tous les humains ainsi que la création entière. Nous ne pouvons comprendre pleinement la hauteur, la profondeur et la largeur de ton amour. Et pourtant, nous te remercions parce que c'est ton amour qui enrichit notre vie. À chacun et chacune, tu as confié un potentiel énorme, magnifique, que nous pouvons fructifier pour le bien-être de notre entourage. C'est pour cela que nous te prions pour toutes les personnes qui donnent une voix aux talents confiés, qui concrétisent leurs compétences par des actes de solidarité et d'amour, qui rendent le monde plus vert, plus juste et plus paisible. Oui, nous avons besoin d'espaces vitaux en cette période de pandémie. Nous prions pour notre société, notre pays, qui souffre sous le fardeau de la maladie. Donne de la sagesse à ses dirigeants, de la patience à ses citoyens. Envoie ton esprit comme une présence réconfortante dans les maisons et les immeubles, dans les chambres d'hôpitaux et les cellules de prison, dans les centres fermés et dans les rues. Dieu miséricordieux, aie pitié de l'humanité. Entoure-nous par ton amour et garde-nous dans l'alliance que tu as faite avec nous. Amen. Je vous invite maintenant au chant « Toi, lève-toi ». Chers frères et sœurs, chers amis, arrivés à la fin de notre culte, nous ne pouvons que nous réjouir des grands trésors que nous a confiés l'Éternel. D'abord, sa parole d'espérance, qui nous invite à l'amour, à la justice et à la sauvegarde de sa création. Puis, tant d'autres signes de sa présence, que nous sommes invités à multiplier autour de nous et pour le monde, afin de les rendre avec un rendement dédoublé par l'amour, la foi, la patience et l'énergie, chacune, chacun, selon nos capacités. Et à l'heure de nous séparer, voilà qu'il nous est encore donné la bénédiction de l'Éternel. L'Éternel fait rayonner l'habit de lumière dont il revêt chacun d'entre nous. Il nous garde tous en son amour. L'Éternel est avec nous. Amen.